Salut, n'est-ce pas, tous les amis qui branchent à Soya sur YouTube ainsi que l'Assemblée du Juge Pourvoyeur. Nous sommes contents pour nous retrouver nous, sur la plateforme ça, pour nous manger la parole de Dieu. Donc, à Soya, n'est-ce pas, nous avons continué avec ça sur les signes de la fin des temps. Rappelez aux semaines dernières, nous avons une interruption. Nous sommes rentrés dans l'autre bagage que bon Dieu mettait sous cœur, nous avons fait. Mais nous retournons encore parce que tellement d'informations que nous recueillons et qui est très importante, qui a aidé à comprendre mieux, n'est-ce pas, ça Jésus-Christ dit qu'il a bien pour arriver avant qu'il retourne sur la terre. Donc, c'est ça nous va le faire. Nous comptons, nous avec vous, nous souhaitons que vous passez une très bonne journée avec Jésus et ou réellement prêt et disposé pour nous capables ensemble et aller autour de cette table pour que le Seigneur soit capable d'instruire nous. Seigneur, nous merci pour grâce, pour compassion, pour fidélité, pour miséricorde. Seigneur, à soi, nous comptons uniquement sur vous, parce que vous dites, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, prends en moi l'esprit, aide-moi tout entier pour possession, revêtis-moi de ta puissance pour flécher de mien par atteindre moi, et pour me capable de dispenser parole ou j'en mettez là, droitement. Seigneur, chaque monde qui a attendu à soi, m'en d'autant prie, ou à illuminer le cœur, ou à faire comprendre, Seigneur, pour capable de sortir édifié à salut. Fais grâce, nous comptons sur vous. Parce que nous vivons dans fin temps, et Seigneur, demandez-nous pour nous rester avec les regards plongés dans la parole de Dieu. Faites grâce nous à soi, nous comptez sur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous disons encore que bon Dieu bénit nous à soi, nous comptons retrouver vous sur la plateforme ça, ensemble avec nous, pour nous capables de manger et parole ça, parole qui baille la vie à la parole de Dieu. Et concernant les signes de la fin des temps, nous avons continué avec Siri. Ça rappelez, on commence à parler de yon bagay qui est très important dans la Bible, que la plupart des églises évangéliques, surtout dans la communauté haïtienne, ont négligé aspect ça. Dans Genèse chapitre 6, donc nous allons faire lecture pour nous montrer, n'est-ce pas, on prend qui ça, que bon Dieu Mitsoukan pour nous partager avec vous. Donc, Genèse chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 7, n'appelez-le pour. Il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes leurs pensées et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, même pas ça ne sortit là, nous pourrons lire, n'est-ce pas, verset qui irait manquer, verset clé, c'est verset 4 là, bien aimé. Nous pourrons lire pour comprendre en anglais. Son barème, il ne faut pas où est là, bien aimé. Il dit, there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God
came in unto the daughters of men, and they bare children to them. The same became mighty men, which were of old, men of renown. Ok, très important. Raison que fait me faire lecture ça, c'est parce que l'on a comparé avec verset 4 dans la version française là. Eh bien, ou la traduction française là, il pas franche, bien aimé. Donc, il est extrêmement important pour nous garder une nuance ça. Dans verset 4, français dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. C'est ce que dans la version anglaise, il dit, there were giants on the earth in those days and also afterward. Ça veut dire que ce n'est pas seulement dans le temps Noé, dans le temps ça, mais après, les bons Dieu finissent détruire la terre par le déluge, eh bien, tu viens de géant après. Donc, c'est pas ça que nous voulons expliquer. Donc, mot ça. Des géants sur la terre. So, ouais, yo, Nephilim. Nephilim. Donc, affaire géant, ça, il y a un peu de monde qui dit, bon, nous pas quoi la dernière. Parce que, pas oublier, bien aimé. Et certains théologiens, dans deux premiers siècles, trois premiers siècles, yo, t'es fait comprendre que cette affaire de géant existe sur la face de la terre, qui c'est, n'est-ce pas, un produit de ange déchu. Et de femmes humaines, eh bien, y a pas quoi ça son réalité, ok? Y a pas quoi son réalité. Mais y a dit de préférence, n'est-ce pas? Ces lignées, on prend qui sortit, on prend les Caïn qui, n'est-ce pas, mêlé avec lignée Seth là. Donc Seth, c'est descendant d'Adam, le Abel t'est mouru. Donc il fait comprendre ces deux mondes ça, on lie avec soutenant bon Dieu et puis l'autre lignée t'est maudit et ça fait le produit des géants. Eh bien, bien aimé, si c'est comme ça lié, eh bien, sur la tête, tout le monde qui convertit, tout le monde qui naît de nouveau, si on était marié avec un monde qui est converti ou pas, hein, ou un monde qui n'a pas connu Jésus, il t'a supposé produire des géants. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Parce que, où est la Bible répétée, on prend, the sons of God, on prend, c'est ange déchu que tu es. Maintenant, on regarde ensemble, n'est-ce pas, qui ça n'est filimio, teye, bien aimé. Avant tout, est-ce que géant, la Bible a parlé là, est-ce que tout est semblé? Donc, tout a des points communs. Mais il était semblable. Tout n'est pas semblé. Pas oublié, lorsque un déchu ça, et là, il livre Enoch, il montre que il y a 200, n'est-ce pas, esprits ça, qui descendent sur le mont Hermon. Et c'est eux-mêmes, n'est-ce pas, qui sont accouplés avec les filles des hommes, ils couchent avec eux. Ils ont choisi parmi eux des femmes, que ont fait venir madame eux. Et il était produit des géants sur la face de la terre, bien aimé. Maintenant, pendant qu'on a dit ça, on peut regarder à travers les Saintes Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, côté que géants, ça, yo, suivant côté, il était pris naissance, eh bien, il a porté des noms différents. Mais n'empêche que, n'est-ce pas, c'est même géants, c'est même Néphilim, bien aimé. Pas oublier, il y a plusieurs races sur la terre, il y a une race noire, race blanche, race jaune, on comprend, il y a une race asiatique, là, tout le monde, ça, yo. Maintenant, capable de gagner, par exemple, en Amérique latine, on va le montrer ça, on prend en Asie, Extrême-Orient, mais ils ont tous pas les mêmes ressemblances, dépendamment, n'est-ce pas, de tribus, de races qui habitent dans zone ça, bien aimé. Faut comprendre ça. On continue. Donc, qui non, ils ont des tribus différentes. Ils ont les Néphilim, les Rephaïm, les Émim, les Amzumim, les Anakim, les Giborim, les Avim, etc. Donc, nous, n'est-ce pas, nous avons des noms différents, bien-aimés. Pas de mentir dans ça. Donc, nous allons regarder pour ensemble avec vous. Et quand Jésus te dit tout, nous allons montrer ça plus devant, dans Luc 17, verset 26, dans l'époque où on y a. On nous parle des géants, des Néphilim. Ça fait nous parler de eux. On parle de Jésus, n'est-ce pas, fait. Un parallèle, lui montrer ça qui va le passer avant de retourner, c'est pas qui était passé déjà du temps de Noé, bien aimé. C'est sur lui dans Luc 17, verset 26, quand il dit, et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Pas oublier, du temps de Noé, c'est un déluge. Du temps de Noé, avant même le déluge, les hommes étaient méchants. Et sa Bible en dit dans Genèse 6 là, ils étaient méchants. Mais la Bible n'a pas de description de méchanceté. Qui ça va être qu'on fait, bien aimé? So, c'est ça, l'on fait recherche, il faut comprendre les géants, ça.
c'est progéniture de ange déchu qui relait les Nephilim et ange déchu pardon avec les femmes humaines qui produit des géants religion ça des Nephilim nous pas le ça bien. Donc n'est-ce pas nous the sons of God les fils de Dieu en effet qui est sur c'est eux que les anges déchus the fallen angels yo les démons tout c'est eux même qui ont une relation avec mesdames yo yo prend forme humaine y a couplé avec mesdames yo et n'est-ce pas avec les filles des hommes the daughters of Adam so yo produit n'est-ce pas des géants sur la face de la terre donc offspring yo produisant n'est-ce pas bible en yo de Nephilim pas j'ai oublié ça Nephilim de Nephilim bien-aimé yo était sur la terre dans jour ça il dit and also afterwards ça veut dire que même le bon Dieu finit détruit la terre par le déluge rage en ça yo était détruit et bien après ça yo était venu faire réapparition encore bien-aimé yo était venu faire réapparition encore sur la face de la terre et bible dit yo était puissant des hommes de renom des hommes n'est-ce pas qui étaient les héros de l'antiquité yo étaient héros bien-aimé gain 25 pieds ou pas ça 25 pieds 30 pieds de haut nous pas le montrer ça bien donc le mot hébraïque nephilim li dérivé de racine un mot qui veut dire nafal ou tomber le mot anglais le verbe anglais to fall gain auteur n'est-ce pas Genesius dans le lexicon que monsieur écrit à lexicon hébreu mais qui ça monsieur noté monsieur dit, n'est-ce pas, monde qui utilisait, peut interpréter passage ça dans Genèse, ça que la chute des anges, eh bien, il était accoutumé avec Moïse, il a renié, il a traduit par le mot Nephilim, qui veut dire the fathers, ça tombé, the rebels, rebellion, the apostates. Apostates, monde qui dans l'apostasie, c'est monde qui pas arrêté dans le domaine bon Dieu météo. Même Jean Bible dit, n'est-ce pas, l'on lit dans Jude et dans 1 Pierre 2 Pierre, on ne s'est pas traité dans le domaine côté bon Dieu météo. Il a sorti la donne, maintenant il y a, n'est-ce pas, Pablo, il a une capacité ça, il a transformé, et puis il a couché avec mesdames, et il a produit des géants. Pas j'oublie ça. Pablo, il y a une Bible Septante, non? Le Septuagint, le Greek Septuagint. Eh bien, yo traduit, n'est-ce pas, son Bible qui était traduit en l'an 270 avant Jésus-Christ. Yo prend, n'est-ce pas, Bible hébraïque là, yo traduit en grec. Eh bien, même mot ça de Nephilim, yo traduit, n'est-ce pas, dans le langage grec par oi gigantest. Oi gigantest, qui veut dire les géants, bien les géants. Donc, nous trouvons même mot ça. Il utilisait, n'est-ce pas, dans le grec classique là, dans la littérature classique là. Surtout, il a parlé, n'est-ce pas, on prend ces héros de l'Antiquité. Il a parlé, n'est-ce pas, on prend de ces créatures qui existaient, qui auraient le demi-dieu, demi-homme. C'est ça qu'il est, on prend chimera. Chimera, n'est-ce pas, laissez m'expliquer ça. Eh bien, raison qui fait que bon Dieu t'a détruit la terre par le déluge, ou elle dit le regret qu'il t'a créé l'homme. Donc théologien dit bon Dieu c'est ça que l'anthropomorphisme. On prend. So, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu dit la détruit l'homme sur la face de la terre. Mais Bible en dit époque ça Noé était juste aux yeux de Dieu. Le mot juste ici pas veut dire Noé te mettait là pas, dit pas vivre dans péché, dans iniquité, Noé était une faiblesse là, bien sûr. Mais ça veut dire mot il juste là. Ça veut dire que DNA Noé pas teinté, il pas altéré. Et c'est ça, les fils de Dieu, yo, n'est-ce pas, the Nephilim, the fallen one, yo, the apostates, comprenez? C'est eux-mêmes, n'est-ce pas, qui époque ça, qui ça vous fait, yo pas seulement contenté yo, puis yo couché avec mesdames yo, puis yo produit des géants. Maintenant, vingé, on chaos, on chaos, si vous voulez comprendre, dans la création. Côté que, n'est-ce pas, géant ça yo t'es même couché avec bête tout, bien aimé. Et ça fait après, gonser de bête, pas oublier. Et le accouplement entre démons avec bête ça ou bien avec moun, li produit des créatures géantes, bon Dieu pas te mettre sur la terre. Donc puisque qu'on y a là, ça Satan fait, li essaie ouais pour te altérer DNA humain, raison c'est parce que bon Dieu t'a fait promesse dans Genèse chapitre 3.
comprenez, gain postérité de la femme qui est venue pour craser tête serpent, pour craser tête Satan. Et Satan connaît, n'est-ce pas, gain dans lignée Adam, gain une cap sauti, n'est-ce pas, pour une libérer l'homme du péché et pour, n'est-ce pas, détruire les œuvres du diable. Donc depuis lors, Satan qui ça le fait, eh bien, il dépêche déléguer des anges, anges déchus, maintenant pour faire des actes sur la terre. Et ça fait Bible en tout, comprenez, non seulement dans temps Noé, même temps après. Très très important. Les géants ont existé sur la face de la terre. Donc c'est ainsi que pendant que tu es sur la terre qui s'est fait, grand pile bagaille qui peut faire. Et ça fait bon Dieu détruit génération ça. Il détruit géants. Et il y a des bêtes, n'est-ce pas, son accouplement entre monde et bête. Époque ça, sous suit bien l'autre, n'est-ce pas, dans sacré et notre tradition ou bien dans l'histoire des peuples antiques. Et bien il y a on trouve qu'il y a des créatures hybrides. Moitié monde, moitié bête, etc. Donc raison, c'est parce que, n'est-ce pas, Satan le diable, il vient pour corrompre DNA, il corrompre la race humaine, elle gâte, n'est-ce pas, pile bagaille bon Dieu fait. Qui ça fait bon Dieu détruit génération ça, même bête bon Dieu détruit. Ouais, parce que, on prend, il vient pas à l'image de Dieu, on prend. Et c'est ça, Satan t'a essayé faire pour que DNA humain paraisse pur, parce que nous créons à l'image de Dieu. Si n'est-ce pas qu'on mélange entre homme et démon, maintenant nous ne venons pas à l'image de Dieu encore. C'est la raison principale ça qui fait bon Dieu, tu détruis la terre, époque ça, il détruit, on prend toute bête qui existait. Excepté, n'est-ce pas, 8 hommes, plus, on prend 2-3 bêtes, bon Dieu choisi, il mettait dans l'achat. Pas jamais oublié ça. Il y a un auteur, M. Jonathan Hall, non, livre, M. écrit, livre là, il est Ethnic Identity and Greek Antiquity. So, monsieur noté que, n'est-ce pas, dans l'histoire du peuple grec, gen sa terele gegenes. En fait, qui ça te vle dit? Earth born. Moun qui prend naissance sur la terre. Ok. Il dit, c'est dans l'époque ça, n'est-ce pas, où il a écrit livre. On prend dans pile livre qui écrit, et il a traité, il a parlé de ça, the son of the earth. Les fils de la terre. Et, te gon te tire les Hérodote, tout m'kon parle de Hérodote, monsieur le moun sa ou, Gegenes, Earthborn, qui veut dire the gigantic, monstrous, moun ki monstrueux, moun ki ou, des géants, bien aimé. C'est pas seulement du temps de Noé, parce que Bible en dit, even après ça, yo te vin exister sur la face de la terre. Donc, quel que soit pays côté passé, et des fouilles archéologiques, li montrer vraiment. Vous comprenez que, n'est-ce pas, géant des fouilles archéologiques, je vais vous montrer ça, des fouilles archéologiques, montrer que vous existez vrai sur la face de la terre, bien aimé. Pas de mentir dans ça. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, des recherches que vous faites qui ça rejoignent. Par exemple, nous connaissons des dinosaures qui existent, bien aimé, animaux géants, ça. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas vrai, pas de géants sur la face de la terre. Eh bien, détrompez-vous. Parce que, bien aimé, un squelette de dinosaure de plus de 100 tonnes a été découvert en Argentine, bien aimé. Pour quelle raison, bon Dieu, a détruit gros bête ça? Bête ça, frère, qui a 80 pieds de long, yo long, yo gros, yo géant, bien aimé. Why? C'est un déluge, non? Parce que Satan, le diable, il vient corrompre la création. Vous comprenez? Il vient, n'est-ce pas, créature, ça veut dire qu'on couche avec bête tout. Yo kon couche avec bête tout. Yo produit on série de bagages qui pas ça. Donc on veut réaliser ça. C'est ça que les chimères sont un mélange entre démon hein avec moun, un démon avec bête tout. Tu compte de créatures qui existaient hybrides. Et ça faut dans l'antiquité, dans l'histoire tout pays ça, gen bagage wap gado dit pas ça pas exister. Oui, était la vraie bien-aimée. Et c'est raison principale ça qui fait bon Dieu détruit la terre par le déluge. Dans la mythologie grecque, bien-aimée, The Giants, ou bien géant, yo, du nom Gegenes, eh bien, yo te le, the children of heaven, les enfants des cieux, sur le nom de Uranus, et non terrestre, Gaïa. Pas oublier ça. Bien aimé, raison qui fait n'a pas expliqué ça, c'est pour nous montrer, c'est pas seulement, n'est-ce pas, du temps de Noé, mais à travers, n'est-ce pas, tous les continents, sur tous les continents, des fouilles archéologiques, hein, lui montrer que géants ont existé, bien-aimé. T'es un géant sur la face de la terre. Et ces bagages, ça, on voulait nous réaliser pour nous comprendre, bien-aimé.
Je vais vous montrer l'autre bagage encore. Que j'ai été existé vrai. Ou qu'on est quelque part, bal du pays, ont été déterré un squelette de géant bien-aimé. Une équipe d'archéologues ont été découvert, n'est-ce pas, les restes d'un géant dans la ville de Vama en Bulgarie le 25 mars 2015 bien-aimé. Tête géant sont tellement gros, comprendre quand moun yo saisi ça fait le plus souvent les autres fait découverte ça. Gouvernement pays ça yo, yo obligé prendre bagage ça yo, yo pas quitter l'en public, yo pas quitter sorti dans média, yo pas quitter sorti dans nouvelle. Why? Parce que dans université yo, eh bien, il y a enseigné, on prend une doctrine Darwin qui fait qu'on est l'homme c'est descendant du singe, l'homme c'est produit de l'évolution, l'homme n'est-ce pas, c'est pas créé bon Dieu de créer, l'homme saute dans singe, l'homme saute dans gorilla, l'homme saute dans chimpanzé. Non, pas saute dans chimpanzé. Bon Dieu crée toute bête, il crée l'homme unique. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Le 25 mars 2015, il a découvert un squelette de géant, on prend plus de 15-20 pieds de haut, hein, n'est-ce pas? Bien aimé, bagage ça soit sur YouTube, ou après, bien aimé, pas de menti dans ça. Pas de menti dans ça, bien aimé. Je veux comprendre ça. Donc, il y a fond façon, n'est-ce pas? Puis, leurrer nous, puis, tromper nous, faire comprendre que bagage ça n'a pas existé. Oui, il a existé, bien aimé. Il était bel et bien existé, pas de menti dans ça. Il était existé. Il était existé. On continue à garder toujours, bien aimé. Songez me te dou, géant ça a des noms différents. Suivant côté, n'est-ce pas, les anges déchus, te couche avec mesdames. Ok? Ou bien chinois, ou bien japonais. On prend, ou pas, n'est-ce pas, progéniture chinois. On prend même la progéniture africaine. Ou pas, on progéniture africaine pour le même genre, on progéniture monde qui sont en Russie, ou même qui sont en Angleterre. C'est, on prend. Différent, très important. Pas jamais oublier ça, bien aimé. On continue à garder toujours. Yo exhumé, n'est-ce pas, un géant de 5 mètres de haut en Australie. Le haut exhumé, yo tire Zoa. Yo tire Zoa, n'est-ce pas, en bataille, bien aimé, yo joigné. En 2015, pas de menti dans ça. Et a examiné, même fémur, il presque pire pas son monde, bien aimé. Tellement yo gros, tellement yo gros. Je veux comprendre ça, je veux réaliser. C'est pas menti. Bible, tout ça le dit, c'est vérité. La parole de Dieu, c'est oui, c'est amen, l'église. Pas de menti dans ça. Ça, bon Dieu dit à bouche, c'est vérité. On continue, bien aimé. Donc, nous, n'est-ce pas, géant ça, dans la mythologie grecque, là, il y a des gigantesque. The earth born. Ça veut dire que, on prend, c'est pas Dieu qui était comme ça, mais son mélange entre monde et ange déchu. Et également, yo te rele dans langue grecque là, comprenez? C'est comme ça yo te rele yo. Et yo te, n'est-ce pas, tellement gros, tellement grand, tellement monstrueux, des hommes gros, des hommes puissants. Hein? Yo te même, n'est-ce pas, mettre dans classe des dieux, c'est ça pour après, dans pays ça yo, dans panthéon yo, il y a parlé de ces divinités là, des géants. Maintenant, c'est pas divinité, pas dieu vrai. The gods ici là parlé là, ce sont ces esprits déchus. On prend qui descendent des anges déchus et puis ils ont couché avec mesdames qui produit des géants sur la face de la terre. Ok. Maintenant, qui côté, n'est-ce pas, où joignent sacré les géants dans la Bible? En dehors de Genèse chapitre 6, le verset 4, qui côté vous mentionnez encore? Nous parlons de tout côté vous mentionnez. Ou à venir dans Deutéronome 2. Verset 10 et 11. On garde pour nous Deutéronome 2. Verset 10 et 11. Deutéronome chapitre 2. Verset 10 et 11. Deutéronome chapitre 2. Verset 10 et 11. On garde qui sa Bible a dit. Il dit, les Émim y habitaient auparavant. Et c'était un peuple grand, nombreux, de haute taille, comme les Anakim. On continue. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Moabite, c'est, n'est-ce pas, région, côté que le pays Jordanie est connu là. Ou bien Amon, ou bien Moab, comprenez? Et puis c'est dans une zone ça, race, moun sa autorité, bien aimé. Donc c'est production. Entre, n'est-ce pas, les fils de Dieu qui déchirent, the fallen angels, avec les femmes humaines.
les femmes. Maintenant, qui compte au joignon encore? N'est-ce pas? On a regardé le verset 20-21 dans le même passage là. Deutéronome 2, les versets 20 et 21. Il dit, ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Pas bien, surtout les Réphaïm, les Néphilim, les Anakim, les Umzamim, tout le monde, c'est race de géants, bien aimé. Suivant côté où tu prends l'essence là, il y a des noms différents. Mais c'est même bagaille là, ok? Ils habitaient auparavant. Et les Ammonites les appelaient les Amzumim. Ammonites, c'est pays, n'est-ce pas, côté Jordanie. Exactement. Les fils d'Amon, etc. Ancien pays, les Ammonites. Ok? Donc, c'est là où je vois. On regarde dans Deutéronome 3, le verset 11. Là, montre à travers la Bible qui côté parler des géants. C'est juste, n'est-ce pas, pour me montrer qui ça Jésus-Christ est dit dans le Nouveau Testament. Il dit, Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Ça veut dire, puisqu'il était le seul resté de la race des Réphaïm, ça veut dire que Og, roi de Bazan, hein, c'est ton géant que le t'es. Je vais montrer ça, puis devant, bien aimé. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amon? Sa longueur est de 9 coudées, ou bien 9 cubics. Son bras montre au lit, l'a mesuré. On prend un différent type de cubics. On prend une longueur ça, mesure ça. Tu gagnes, n'est-ce pas? Et les Perses, tu gagnes une longueur par eux. On prend l'Égypte, tu gagnes une mesure par eux, mais jamais par eux. Chaque pays, ça y est. Mais pas oublier, du temps que Moïse t'a écrit, on prend pas ça, maintenant, et l'Empire grec peut coexister. L'Empire perse peut coexister. Mais c'est l'Égypte. Ok, je vais montrer ça plus devant bien. Et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Pas bien, il parle de cubic. Cubic, là, son distance, son mesure, sorti dans le coudou, il vient devant, mais on comme ça. Ok? Donc là, il y a 9 coudées, hein, probablement, 9 cubics. Ça veut dire cabane, monsieur. On prend, puisque il prend un cubic égyptien, hein, qui c'est 20.62 ou 63. Ok, bien aimé. Là, on multiplie le point 9. On prend. La bord y a une longueur de 15, presque 16 pieds. Longueur cabane, nous, monsieur. Donc, nous parlons de ça, puis devant, bien aimé. C'est pas jouet, n'a pas l'eau là. Ces géants existaient sur la face de la terre. Ok. On continue pour nous garder, pour nous, bien aimé. Dans nombre 13, dans nombre 13, les versets 27 et 28. Nombre 13, verset 27 et 28, nous allons regarder pour nous. Qui sa Bible en dit? Il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. On regarde verset 28. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Anakim, géants, bien aimés. Ces produits, n'est-ce pas, ange déchu avec mesdames, yo, femmes humaines. Yo. Donc, il montrait là, dans l'Ancien Testament, que ils existaient vrai. On a regardé verset 32 et 33. Pour montrer, la Bible n'a pas menti là-dedans. S'il dit géant existait, ils existaient vrai, bien aimé. Il me saute montre là des fouilles archéologiques, ils ont recouvert ossements et géants. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Ça, c'est 12 espions. Oui. Le tevo, n'est-ce pas, al gade pays, explorer pays, puis ouais, qui j'en pays. Ya. Donc, yo 12 allés, mais yo pas même report là. Ok? Seul Caleb et Josué, on prend qui, d'accord, yo dit vérité, c'est géant, oui. Mais yo pour yo dit peuple là, bon Dieu avec nous, n'a 20 pays, ça, n'a 20 nous, ça. Ou à comprendre, la Bible dit, le Israël sorti en Égypte pour rentrer, pour la prendre ça en possession, la terre du Canaan. Ce n'est pas tout le monde même gros avec Malioté. Ce n'est pas humain normal. Ce sont des géants. C'est une raison qui fait Israël fait tout le temps ça dans le désert là. Parce que les espions, n'est-ce pas, ils ont une bail report là, ils ont dit, ce sont des hommes qui, oh, nous tant que c'est qui sont très nouillés. Et ils ont ouvré. Et puis il dit, les habitants, il dit, t'es à manger propre habitants. Ouais, parce que géants, t'es à manger monde tout. Ils ont mangé bête tout. Parce que ils ont un appétit dinosaure, bien aimé. Ok. Maintenant, c'est la raison ça qui fait Israël fait tout le temps ça, il n'y a pas de rentrer. Parce qu'il y a peur. Et bon, il dit, pigan effrayé, pigan peur, ma bonne, c'est moins que devant nous pour mettre de l'eau à terre. Mais à la vue des géants,
Ils étaient peur, ils étaient effrayés. Ok. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ouais, un pays qui dévore ses habitants. Parce que, pas oublier, ils étaient mangé bêtes, ils ont mangé même moun même, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Qui dévore ses habitants? Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Très, très important. Haute taille. Ok. Nous y avons vu les géants. Ça, c'est reportage, oui. Espions ont été faits. 10 l'autre. Il y aurait des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Imagine, bien aimé. Lorsque on sauterelle, ou quitte la terre, puis ou campé. Les sauterelles là-haut, il y a son building qui est en face, oui. Eh bien, moun se recalé, bien aimé. Des gens normales, race humaine normale. Les regards géants, ça me tellement haut, bien aimé. C'est gros causé. C'est quoi causé? Ok. Maintenant, bien aimé, avant de continuer, on continue. Je ne parle pas de sacrilège mythologique grec là. Quand on te retrouvé, on prend those gods, yo, les gods. Mais ce n'est pas gods, en réalité. C'est ces anges déchus. Ils ont été arrivés dans la zone grecque tout. Et Bible en tout, ce n'est pas seulement dans le temps Noéa, mais li, après, temps ça a tout. T'es venu, n'est-ce pas? On prend des géants qui existaient, ouais. Parce que les anges déchus, ils ont allé tout. Ce n'est pas même eux, non. L'autre. Il y a allé, n'est-ce pas? Il y a couplé avec les filles des hommes. Il y a produit des géants. Pas j'ai oublié ça bien. Ok. Even, n'est-ce pas? Dans Targum, le Jonathan Targum. Targum, non, c'est ancien écrit hébraïque que l'autre monde, n'est-ce pas, qui parle dans le canon biblique là, eh bien, il a été écrit tout. Mais ça a traduit là-dedans. Mais qui j'ai traduit Genèse 6, le verset 4. Il a dit Shamshazai et Uzael. Eh bien, ils ont été tombés tout from heaven. Ce sont des anges déchus. Ok? Ils ont été sur la terre en temps ça, yo bien aimé. C'est l'époque, ma parole, du temps, n'est-ce pas? Côté que livre Enoch là expliquait, il y a 200, n'est-ce pas, anges déchus qui descendent sur le mont Hermon. Et maintenant, ils ont choisi parmi les filles des hommes, et puis ils ont marié avec eux. C'est la raison ça qui fait bon Dieu enchaîner l'esprit ça, yo, pour le jour du jugement. Mais ça n'a pas empêché, après désobéissance a été faite, et bien, il y a un autre ange qui participait dans le même bagage, ça tout. Qui devient produit des géants. Dans toute zone, n'est-ce pas, Moyen-Orient, dans zone Canaan. Donc, il y a des fallen angels, tout, ange déchu. Et c'est ça, il y a dans le livre Enoch, là, bien aimé. Pas oublier, il y a un bagage, apôtre Pierre dit. C'est dans le livre Enoch, là, tiré, lui, bien aimé. C'est dans le livre Enoch, là, tiré, bien aimé. Parce que du temps de l'église primitive, il y a des gens qui lisent dans le livre Enoch là. Ces théologiens, n'est-ce pas, 2e, 3e siècle, qui viennent retirer les bagages, il faut comprendre, livre ça, son livre, on prend, qui va parler. Et pourtant, l'église primitive, il y a des gens qui lisent le livre Enoch là, bien aimé. Très important, pas jamais oublier ça. Parce qu'il n'y a pas qu'à believe, n'est-ce pas, pour un être humain à coupler avec un esprit. Mais ça, pas qu'à comprendre, non. Esprit, ça n'est pas simple esprit. Il était, n'est-ce pas, dans la présence de mon Dieu. Il y a une capacité. Pas oublier, un ange qui vient en face ou là. Et puis il prend forme humaine, oui, bien aimé. Après, ça disparaît, là, mais il prend forme humaine, non. So, il y a une capacité, ça. Et ça fait, bon Dieu, punis sévèrement. Très important. Pas jamais oublier ça. Ok. Bien aimé, on continue. Selon la Bible, qui est-ce mon Néphilim, ça, au-té? L'obga de traduction ancienne, lui montre, n'est-ce pas, mon Néphilim, ça, comprenez, c'est ça qui signifie géant. On regarde qui sa Bible en dit à propos de géant, ça, ou bien aimé. Raf, humain, moitié démon. On continue pour nous garder pour nous. Bien aimé, pas oublier, quel que soit le pays où tu as retrouvé, n'est-ce pas, géant ça yo? Eh bien, yo capable de même features, par exemple, sauf un chinois. Hein? Chinois pas de même features, on peut même trait avec yon blanc, avec yon africain. C'est humain, yo, vrai, mais yo pas de même trait. Ou après, asiatique, yo gen yeux bridés, yo gen figure mongole, blanc gen nez aquilin. Hein? Le noir lui-même, ouais, nen flat, shape li pas même genre. Très important. Ok, bien aimé. Qui non yo ba yo? Pas oublier. Je saute bon 2-3 versets là. Et je vais vous montrer d'autres versets encore. Eh bien,
Rappelons du temps d'Abraham, bien-aimé. C'est dans la période ça. Abraham, c'est un monde qui était premier rencontré Réphaïm. Le bon Dieu dit le quitter, n'est-ce pas, pays en Caldé, rentrer Canaan, c'était ça, Mbralbao, bien-aimé. Abraham te fait rencontre, bien-aimé, ça fait Mabdou. L'on lit la Bible comme ça. L'on parle dans le contexte, l'on pas fait recherche approfondie. L'on pas comprendre. Là, on dit Abraham, père de la foi. Abraham te rencontre avec géant ça autour, bien-aimé. Il te rencontre avec les Réphaïm, les Zouzim, les Amzoumim, les Émim. Ok, so Pabli et Mimio c'est aussi dans une zone, n'est-ce pas? Amon, les Ammonites, les Moabites. Eh bien, c'est eux qui habitaient tant ça, dans l'époque ça, avant Israël était occupé là. Dans le temps Josué et dans le temps, n'est-ce pas, Jujio. Eh bien, j'ai été là encore, sur la terre de Canaan. Maintenant, on regarde les noms, bien-aimés. Les Néphilim. Néphilim, Anakim. Dans la Bible. Ce sont les descendants. Danak, yo sorti dans géant yo tout. Yo le Néphilim, c'est ça retrouvé dans Nombre chapitre 13, le verset 33 comme saute li pour tout à l'heure là. L'on dit Néphilim ou dit Anakim. Très important, pas jamais oublier ça. Anakim yo tout, yo le Réphaïm, yo le Émim tout. Dans les saintes écritures. Émim yo, n'est-ce pas? Anciennement, c'est yo qui te vivent, n'est-ce pas, sur la terre de Canaan. Son peuple qui était grand, qui était géant, bien-aimé, il était aussi haut que les enfants d'Anak. Ok. Pas oublier, bien-aimé. C'est Yorel et Réphaïm, tout suivant côté au prenaissant là. So, les Moabites, Terrel et n'est-ce pas, les Émim. Pas oublier, les Moabites, les gens qui sont sortis dans la famille, descendants d'Isaïe. Ok. Maintenant, les gens qui sont inventés, ils habitent ça. Eh bien, les géants étaient sur la face de la terre. Et ça fait, l'Israël a sauté en Égypte. Eh bien, ils ont fait face à tout le monde. Il y a pas le roi de Bazan. Roi de Bazan. Je vais expliquer qui est-ce roi de Bazan, bien aimé. C'est descendant géant, ça. Les Réphaïm, c'est eux-mêmes, les Amzoumim. Ils ont le Anakim, tout. Eh bien, on était jeune sur la terre de Réphaïm. Réphaïm, n'est-ce pas? Ils étaient vivants, n'est-ce pas, sur la terre de Canaan. Ammonites, les Amzoumim, les Ammonites, comprenez, c'est même descendant Mounzao qui sorti dans Isaïe. Ok. Son peuple, n'est-ce pas, qui était grand, qui était puissant, même Jean avec Anakim, ou je ne sais pas, dans Deutéronome 2, verset 20 et verset 21. Ok. Pas oublier, la Bible parlait de Og. Og, roi de Bashan, the king of Bashan. C'est un Réphaïm que tu es, ton géant, bien-aimé. Un géant. Pas jamais oublier ça. Ou je ne sais pas, dans Deutéronome 3, le verset 11. Là, on dit Bashan tout, ou bien Bazan. Pas oublier. Lors, par contre, si nous rappelons, en 2018, lorsque nous étions allés, 2007, je crois, l'un était allé en Israël, l'un arrivé sur la terre de Jordanie, il y a expliqué, n'est-ce pas, ces zones-là, au roi de Bazan sauti, et puis, les guides-là, t'as expliqué, nous, bagages, ça, bien aimé. Ok. So, les Réphaïm ou bien Bashan, on va y avoir un tel gontin basané de Bazan, il n'y a pas gontin blanc, mais le gontin doré, le soleil a doré, mon yo, on prend Bashan. Donc, n'est-ce pas, yo, sur la terre des Réphaïm, ou je ne sais pas, dans Deutéronome 3, le verset 13, bien aimé. Deutéronome 3, le verset 13. Par exemple, la Bible parle des Amorites, des Amoriens. Si on ogwa de Bazan, on voit des Amoriens tout. Maintenant, pas oublier, bien aimé, c'est même ça que les Réphaïm, les Amorites, ou bien Amorites, ou bien géants, yo. C'est descendants géants, yo, toute race. Ça veut dire que les Israël sont en Égypte, ça monde ça pour te goumen. Et c'est une raison qui fait prendre pile temps, ils ont peur avancer parce que yo dit ce sont des géants, ils ont peur. Okay? Et bon Dieu dit, piga non peur, mais avec nous pour nous victoire. C'est moi qui parle passer devant nous pour me détruire, peuple ça. Yo. Mais yo pas qu'à comprendre ça, ils ont peur, bien aimé. Donc, ou bien la ville, Sion, roi des Amoriens, king des Amoriens, roi des Amoriens, ou je ne sais pas, dans Nombre 21, verset 26, l'or et Marie, pour un tambourin, ou bien, non, ou après Salmissio, il y a parlé qui Jean Israël, on va défaite pays ça, conquérir pays ça, conquérir roi ça, tuer. Maintenant, il y a une raison pour t'applaudir, quoi, c'était des géants. C'est bon Dieu qui a eu victoire, bien aimé. L'or dit king, roi de Bazan.
Og, roi de Bazan, c'est ton réfaïmité. C'est même avec Amoraïtio. Ça veut dire que c'était des géants. Ou je ne sais pas, dans Deutéronome 4, verset 47, bien-aimé. Ok. On continue pour nous, bien-aimé. Vous rappelez Goliath dans la Bible? Goliath, n'est-ce pas, avec Frélio. C'est descendant d'Anakim, descendant de Réphaïm. Goliath, homme de Gath. Ok. Yo dit Goliath son homme de haute stature, il était haut. Goliath nous connaissons en fait de 9 pieds parce que 10 pieds de haut, bien-aimé. Et c'est descendant de ces géants là, des Réphaïm. Dans Bible 70 là, Bible qui a été traduite en l'an 270 avant Jésus-Christ, en de la langue hébraïque en langue grecque. Il parlait de yo des Réphaïm, bien-aimé. Rappelons Goliath était un frère qui était Rami. Comprenez? Il est sorti, n'est-ce pas, dans Gethaïtio, Agathe, descendant des géants, bien-aimé. Ou aller dans 1 Chronique 20, les versets 5 et 6, c'est leur joignant, bien-aimé. Ou rappelez-vous, Abraham, n'est-ce pas, qui est sorti dans la bataille des rois. Il parle de Kedar Laomer, avec les rois qui étaient ensemble avec lui. Il était défait, qui est les Réphaïm, les Ashtéroth, Canaïm, les Zouzim. À Canaan, les Émim, ok, à Chavet, Kirataïm, dans Genèse 14, verset 5. Ces géants-là, bien-aimés, c'est avec eux, n'est-ce pas, lorsque Abraham a délivré l'eau. C'est avec mon qui a fait face, bien-aimés. Avec 300 combien hommes, bon Dieu, bah, Abraham, victoire, ouais, parce que Melchisedec, c'est lui-même qui bat Abraham, victoire. Abraham a 300, il n'y a possible de détruire les géants, bien-aimés. Comprenez bien ça, Mabdoula. So, you tell the Amorite. Ok, Genèse 15, verset 16. Pas jamais oublier ça, bien aimé. Donc, on continue à garder pour nous, bien aimé. Bible en parlait de yo. On va montrer ça plus devant. Maintenant, bien aimé, on garde pour nous, n'est-ce pas, qui côté encore dans Bible vous parlez de géant ça. En allant 2 Samuel 21, 18 à 22. 2 Samuel 21, 18 à 22. 2 Samuel 21, 18 à 22. Nous allons amener brancher le moins 2 Samuel 21, 18 à 22. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Sibekai, les Hushatites tuent Asaf, qui était un des enfants de Rapha. Les Réphaïm, un des enfants de Rapha. Yon nan géant yo. Comprenez? Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkana, fils de Jaré Oreguim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Pas oublier dans le pays philistin. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha, les Réphaïm. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. Non seulement David a tué Goliath, mais tu as l'autre géant tout. Tu as les frères de Goliath, des descendants, n'est-ce pas, des Néphilim. Pas jamais oublier ça, bien aimé. You are the Réphaïm too. Ok. On garde une autre phase, bien aimé. Bible en parle, on t'a expliqué ça. Faut qu'on ait dimension, l'air de géant. Pas penser sur un monde qui 6 pieds, ou bien on est qui dans type bien 7 pieds. On va dire que c'est humain, oui. Yo, wow. Mais il n'y a pas de géant pour autant. Nous considérons comme géant, mais ce n'est pas de géant. Nous parlons de dimension, mon ça, bien aimé. Moïse, n'est-ce pas? Il décrit Kaban ou Ogwa de Bazan comme une Néphilim. Il dit dimension Kaban, monsieur. Parce que la Bible dit Ogwa de Bazan, c'est une dans le monde qui était arrêté parmi les géants. Yo. Bien aimé. Et il a décrit, n'est-ce pas, qui Jean Kaban, monsieur, était qui fait enfer jusqu'à Araba chez les enfants d'Amon, les Ammonites.
sous pays dans pays Jordanie moderne. Yo dit que cabane monsieur était mesuré 9 cubits. Yo en coudé. Donc, n'est-ce pas? C'est longueur cabane dans ça. Un cubit d'homme, au jeune temps de Théonome 3 verset 11, un cubit, n'est-ce pas, c'est une dimension entre coudé côté coudouillé là, rivé dans main. So, l'on prend 9 comme ça, ou est-ce longueur bon? So, c'est longueur cabane monsieur, n'est-ce pas? Maintenant, le mot ils a décrit cabane au roi de Bazan qui mesure 9 cubits. Mais combien de cubits est bien aimé? Selon le dictionnaire Oxford, ok, il a décrit mais jamais ça longueur en cubit. Yo dou c'est distance entre n'est-ce pas elbow you moon, coude moon non, rivé juste là comme ça, non douette là, ok. Yo dit nan ancien mesure yo de longueur yo, eh bien, il était qu'on variait, bien aimé. Suivant pays, ya, suivant temps, tout. Il était varié en 18 et 22 pouces. Par exemple, ou après, cubit romain, il était mesuré 17,4 pouces. Tandis que l'Égyptien lui-même, il était mesuré 20,64 inches. Gagnons hauteur, monsieur Sonnet qui était qu'on bâti. Monsieur qu'on construit sacré ship bateau. Monsieur sont experts liés dans bagage mesure ça de l'antiquité. Monsieur le Tim Lovett. Mais ça monsieur dit. Monsieur dit l'offre fait référence à sacré cubits from n'est-ce pas around the world. Eh bien pour capable jouer une vraie estimation vraie longueur n'est-ce pas nom ça cabane au bois de Bazan. Eh bien, il faut regarder, n'est-ce pas, à travers les ans, à travers, n'est-ce pas, différents agios, eh bien, qui mesure, qui cubit, qui monte, qui type de cubit est utilisé. Ok. Monsieur Adou, lui-même, d'abord, les Grecs, cubit qui ont été short en pile t'écoute, c'est 14 pouces, soit 356 mm. Et, ça qui est plus long, non, époque ça, ou bien de Persian, ou bien Perse. Perse, c'est l'Iran moderne, non. Eh bien, yoli the Persian Royal Cubit, il était mesuré 25,2 pouces, soit 640 mm. Et arabe yo même, n'est-ce pas, de Arabic Hashimi, ou bien Cubit, il était mesuré 25,56 pouces, ou 649 mm. Il était long. Maintenant, monsieur Dou, mesure ça, ça que le Cubit, il était varié dépendamment de siècle où tu as vivre l'entour. Ok, donc ici le, concernant roi de Bazan, Og, comprenez? Eh bien, lui montrer nous n'est-ce pas leur suivre, c'est pas ni cubit grec là, ni perse là, ni arabique là, parce que du temps de Moïse, en plus ça peut coexister, il y a pas de quoi là. Maintenant, sous table qu'on est exactement qui est mesurement pour prendre comme standard pour qu'on qui longueur carbone au roi de Bazan. Eh bien, on doit utiliser ça que les cubits égyptiens. Parce que Moïse était élevé dans toute la science égyptienne. Et c'est ça qui a été utilisé époque par là. Et c'est lui-même qui écrit Ancien Testament, bien aimé. Ok. On garde pour nous. Pas bien. Et juifs, ils étaient esclaves. N'est-ce pas en Égypte? Maintenant, ils étaient fabriqués briques. Pour fabriquer briques, il faut qu'on mette jamais. Qui ça a été qu'on utilisait? C'est cubit égyptien, non? Égyptien, c'est ça a été qu'on utilisait. Donc Moïse te connaît très bien, parce que Moïse est élevé dans toute science égyptienne, non? Bien aimé. Donc ainsi, le Moïse dit, n'est-ce pas, cabane au roi de Bazan, t'es 9 cubits de longueur. Eh bien, nous allons obliger, n'est-ce pas, pour nous calculer, pour nous prendre un standard égyptien, dans le temps Moïse t'a vivant, bien aimé. Pas bien t'as parlé de Tim Lovett, nom ça son qui qu'on habitué construit bateau et bateau antiquité yo, gen moun ki expert dans ça. Eh bien, monsieur dit Moïse t'a utilisé ça que le the original royal Egyptian cubit. OK. So, il était rangé entre 20,62 pouces qui est égal à 523 mm, 0.75 ou 20,65 qui est égal à 525 mm. So, avrégea entre 20,63 ou 524 mm.
Donc, exactement, Jean mesure, M. Bala, il corroborait avec ça les Saintes Écritures dit concernant, n'est-ce pas, longueur et largeur, cabane au roi de Bazan. Pas oublier, roi Salomon, il était utilisé, n'est-ce pas, même jamais de ça, du temps de Salomon, le tape construit en plan, etc. C'est cubit égyptien qui a été utilisé, bien aimé. Donc, puisque, n'est-ce pas, longueur, on prend tes 60 cubits. Là, au cubit, ça, on prend ces formes de mesure. C'est ça qu'on utilisait comme mesure, époque ça. Pas oublier, dans la vision Ézéchiel, t'es fait, bien aimé. Il montre au futur temple, que t'es mesuré, on prend. C'est apparemment, c'est avec même mesure ça, du temps que Moïse a vécu là, bien aimé. Ok. Donc, par conséquent, nous sommes capables de conclure que, n'est-ce pas, cubit Moïse, là, que le référé à lui maintenant, c'était the Egyptian Royal Cubit, qui était égal à 20,63 pouces. So, l'homme multiplié 20,63 pouces, qui est égal à 624 mm, par 9 cubits, qui était longueur carbone, n'est-ce pas, au roi de Bazan, eh bien, il arrivait, n'est-ce pas, solution bas 185,65 pouces, soit 4716 mm. Donc, c'est longueur carbone. So, l'on convertit, n'est-ce pas, dans mesure moderne, nous yon, en termes de pieds, hein, l'I égale presque à 15 pieds 6 pouces, ou 15 pieds 47. Bien aimé, c'est pas, et pas longueur, là. Donc, n'est-ce pas, l'I long, et largeur était 6.10. C'est-à-dire que 6 pieds 10, largeur carbone, non, bien aimé. Donc, m'a besoin d'où? So, yon nom comme ça, on prend l'ité wow, bien aimé. L'ité wow. Ok. Son carbone qui était massive, bien aimé. Pas oublier ça. C'est gros causé. So, pour carbone ça, qu'un bébé au de base, il faut être solide, bien aimé. C'est raison, ça fait l'enfer tout. So, nous assumons que, n'est-ce pas, d'après sa mesure, ça nous montre là, que au roi de base, ok. Donc, l'ité légèrement plus coûte que carbone. Ça veut dire que si carbone était mesuré 15 pieds à 6 pouces, donc, retirez 2-3 pouces, vous comprenez? Donc, monsieur Sonan qui est dans 15 pieds, anyway. So, yon nom de 15 pieds, m'a menou ki wote nom zaye, bien aimé. Li te wo, bien aimé. Li te wo. Donc, ou à comprendre, n'est-ce pas? Au roi de Bazan, c'est pas ton nom qui te coûte. Non seulement, comprenez, monsieur, t'es 15 pieds, ou nom 15 pieds, qui l'âge pour te. Bon, yon moutou l'âge carbon nan. Le ou dit carbon nan ici, laissez-moi vous préciser. Dans le format que vous parlez là, paraît-il que c'est sarcophage. Là, vous êtes enterré, monsieur, vous êtes mis dans le sarcophage. Le sarcophage, il y a le même nom comme tu as dit, mais c'est la donne égyptienne qui est enterré. Donc, ces mesures, ça, n'est-ce pas, l'été carbone, alors côté monsieur était reposé, c'est longue saleté. Si vous comprenez son nom, l'élecamp est sous pied, il était imposant, bien aimé. 15 pieds de haut, c'est pas blague. 15 pieds de haut, bien aimé, c'est pour un petit nom coûte lié. Son bagage qui a fort courir, oui, bien aimé. Gros causé. Donc, nous, en gros, de Bazan, so, c'est comme ça. Donc, imaginons, yon moun qui mesure 6 pieds. Il pas coûte 6 pieds. Bah, mais 6 pieds, 5, 6 pieds, 6. So, ou prend, n'est-ce pas, yon homme qui 2 fois et demi ça. Pour le prendre 6 pieds 2, vous mettez 2, 6 pieds 2 plus moitié encore, mettez sous lui. So, ou pas besoin de l'argent, moun ça. Moun sa gros énormément, bien aimé. Li gros. Donc, n'est-ce pas? Leur garde bagay sa, son bagay ki pou réfléchir, bien aimé. Maintenant, leur dou, ki grosse au roi de Bazanté, pour nous ka konte ki longueur te. Mais leur dou, leur considéré, n'est-ce pas, implication moun ki wo, tant kou au roi de Bazan. On assume, n'est-ce pas, yon moun ki normal. Yon moun normal qui pesait 200 livres. Yon moun qui gon ship normal, t'as gon être humain. Maintenant, m'a parlé de moun qui professionnel capable de faire, non, yon être humain normal. Ok. Maintenant, nous connaissons, au roi de Bazan, li de 2 fois et demi plus haut que yon être humain normal. Disons, moun 6 pieds 2, 6 pieds 4, comme ça. Li 2 fois moun ça, plus moitié encore, bien aimé. So, l'on réfléchit, gros seul, hein, hotel. Maintenant, qui grosse elle était, qui pose combien elle était pesée. Maintenant, pour monsieur arriver en conclusion, il dit que
du temps de Galilée, on prend dans les années 1600, yo, yo te considéré, n'est-ce pas, relation ça, on prend entre animal pour bête, il te mesurer bête comme ça. Principe là, n'est-ce pas, il a appliqué le tout pour l'homme aussi bien. Pas oublier, non institut indien qui étudie ça fait que l'astrophysique, eh bien, il a noté que Galilée, théorie Galiléa concernant relation entre size avec force, ça veut dire strong non, ça veut dire bonne mon non, zo mon non, structure mon non. Eh bien, là au fait, là au analysé, il a dit considérer par exemple deux bêtes qui de size différent, mais il a une même structure géométrique, il est similaire. C'est comme si Mdadou, on prend par exemple une chatte et puis on mettait en face un tigre. Mais le regard, c'est famille chatte, mais c'est pas même bagaille, bien aimé. Ou pour un petit chat tout petit avec un tigre, son géant lié devant, bien aimé. So, monsieur fait comprendre que, n'est-ce pas, si, n'est-ce pas, on prend Jean Longueur, petit bête là, eh bien, c'est comme ça tout, bien aimé, largeur bête là tout, la pour augmenter tout. So, deux fois plus de large et deux fois plus que hauteur que le TIA. Donc, regardez l'argent bête comme ça, hein, eh bien, ça qui est plus gros, lui, outweight, pipiti, hein. Ok? Pas de comparaison possible. Donc, monsieur, il prend formule ça, monsieur astrophysique, puis il compare, n'est-ce pas, hauteur au gros de bazar. Il a dit formule lancée 2 times 2 times 2, il dit 8. Donc, si vous voulez calculer, n'est-ce pas, au gros de bazar pour aller, eh bien, ou de utiliser, n'est-ce pas, the cubic of 2.5, which is 15, on prend, c'est ça, 15 pieds là, on prend. Donc, ça veut dire que l'or dit au gros de bazon, l'or besoin de qui pour monsieur te gagner, bien aimé. Eh bien, c'est ça fait. Ou prend, n'est-ce pas, 15 plus 6 fois 25 ans, on multiplie par un être humain normal qui passe à un monde qui 200 livres. Maintenant, qui combien le bord? Il bord 3125 livres. Ou 1420 kg. Donc, ce n'est pas un monde comme ça, il était gros. Considérez, monsieur, n'est-ce pas, son guerrier, il était au roi de Bazan. So, ce n'est pas petit bagaille qu'il a bien aimé en face. Imaginez, il y a un monde qui peut être 200 livres, un monde qui a fait culture physique pour un bagaille. Il a levé une fois et demi gros seul. So, au roi de Bazan, 3125 livres. Pour gros seul, monsieur, pas bien, il y a un monde 200 livres, il a levé 300-400 livres. Ok, maintenant au roi de Bazan, frère, monsieur a une force assez. Pas oublier un cheval normal qu'on peut de 1500 livres. Monsieur cap, n'est-ce pas, avec chaque main lio, il lève un cheval à tout le monde sous lui, dans chaque deux mains. C'est-à-dire que il lève deux chevaux avec mon nom de rider qui chita sous cheval. Donc, ouais, imaginez force, monsieur, ça veut dire. Donc, ce type de monde, n'est-ce pas, on prend et Israël était pour faire face avec eux. Ça fait l'éternité de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons goumer. Nous allons tuer pour nous bannir terre, bien aimé. C'est même genre, Abraham n'a pas de goumer avec Ouassa. Abraham a le devant, mais c'est bon Dieu qui passe devant la victoire, bien aimé. C'est Melchisédek. Jésus-Christ bat la victoire, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Donc c'est gros causé, c'est gros causé, gros causé, gros causé. Soleil a parlé au roi de Bazan, bien aimé. Monsieur était qu'à manger en pile, en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Il a fait comprendre, n'est-ce pas? Monsieur tellement, il a un appétit qui était chargé. Il a dit probablement, monsieur son équipe a mangé 12 pizzas de 12 pouces. C'est pas petit bagaille, non, bien aimé. Et sous ta converti dans cheeseburgers, eh bien, pour monsieur, n'est-ce pas, pour satisfaire appétit, juste pour le passer de temps et pour le bagan goût, il faut monsieur manger en fait de 63 cheeseburgers chaque jour. Faut t'abaisser, monsieur, n'est-ce pas? Yon lambi, et m'a dit lambi, yon mouton chaque deux jours pour le manger. So, wa comprendre, bien aimé, nom ça, il était imposant. Ok? Donc, si, n'est-ce pas, grosseur monsieur, en tant que géant, maintenant, au cas dit, monsieur, quand il mange 30 pizzas, tout bien aimé, jour, n'est-ce pas, le voulait manger, manger. Je n'ai pas le temps de vendre bien raide, mais qu'à manger en pile cheeseburger. So, on va comprendre qui grosseur, non, ça. Et pas oublier, la Bible en dit, n'est-ce pas? Pays ça,
li dévoré habitant yo. So paraît-il que bien aimé, l'op li livre Enoch yo. Hein, yo montre que j'ai été mangé mon tout. Rappelez-moi te dou en 2003 ou bien 2005 en Afghanistan. Lorsque l'armée américaine nan, yo était dans zone Afghanistan, dans les lieux retirés dans zone côté gien montagne yo, côté gien n'est pas gros yo. Et puis te gon géant de 12 à 13 pieds de haut. Monsieur pour un soldat américain foué bagarre dedans et puis lever le temps pour c'est pas rien bien aimé. Et yo te prend géant ça, yo te rentré avec lui ici. L'a dégagé au delà de gien 6 droite dans main, 6 dans pied, il gien deux rangées dans ni en haut ni en bas. Bien aimé, je dis à m'apprêter là. Parce que faut continuer avec ça que les défilim. Juste pour montrer qui ça Jésus t'a dit, n'est-ce pas, dans Luc 17 à partir du verset 21, il tout ça t'est arrivé du temps de Noé, il va le passer avant que Jésus-Christ retourne sur la terre. Donc c'est une raison qu'il faut m'insister sur faire défilim ça pour montrer qui ça va le passer dans fin temps ça et qui ça qui gagne, qui ça caché que nous pas connait bien aimé. Donc nous souhaitons que n'est-ce pas, Dieu te l'ouvre assez grand pour comprendre ça que les géants. Là, tu as parlé de géants, c'est pas une blague, c'est pas une fable, mais son réalité, bien aimé. Donc nous souhaitons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans nous. Donc en espérant que nous pourrons avec au mardi prochain pour une émission similaire. Seigneur, nous te merci pour le moment ça que nous t'ai passé ensemble. Fais-nous rester dans pied, fais-nous servir, fais-nous comprendre la parole, continue l'ouvrir les yeux nos Seigneur. Pour nous car mon Dieu servir au mieux, pour nous comprendre la parole. Et fais-nous aimer présence. Puisque l'habitude est signe de la fin des temps. Fais-nous comprendre, fais-nous rester dans pied. Pas bail nous. Pas délaisser nous. Pas abandonner nous. Mais chaque monde qui est branché à soi, bénis-nous pour moi. Fais grâce, fais faveur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous comptons pour nous être avec vous sur cette plateforme ça. Mais l'arrivée, c'est pour nous mettre fin, n'est-ce pas, à l'émission. Hein? Donc, espérant que la semaine prochaine, nous pourrons trouver nous, n'est-ce pas, et à la même heure pour nous capables de manger la parole de Dieu. Donc que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous ses vrais biens. À bientôt. Allez en paix au nom de Jésus.